Good morgen, Alaïden et Sutra aujourd'hui, le Nishmat Yaakov ben Aïcha, Richard Aaron ben Fortuné Mazal, ainsi que l'Urfoua Trana Léa bat Gitel Devora et Sarah bat Nechama Victor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Psachim, Perek Yud Mishnah Bet. Mazgul Okos Rishon, Bet Shama Yomrim, Mevarech al Hayom, Vachakach Mevarech al Hayayin, ou Bet Hilel Omrim, Mevarech al Hayayin, Vachakach Mevarech al Hayom. Mishnah très simple qu'on a déjà découvert, on avait la même. Dans Maseret Brachot, c'est Perek Vav, j'imagine, non Perek Zain plutôt, Perek Bat Shamay. Et en deux mots, bon, on attaque directement, puisqu'on est dans les préparatifs du Seder, ou bien plutôt on commence à rentrer dans le Seder. La Mishnah précédente, c'était encore la fin de l'après-midi, avant le Seder. Maintenant, on commence le Seder. Qu'est-ce qu'on commence? Kadesh, le Kiddush, Nachon. Alors du coup, on va commencer à donner l'ordre des Brachot, du Kiddush. Masgul Okos Rishon, on va lui verser le premier verre de vin. On a dit qu'il y avait quatre verres, on avait mentionné dans la Mishnah précédente. Quatre coupes à boire à Pessah. Donc le premier verre, on commence à lui servir. Donc il a deux brachot à faire. Là, une bracha sur le vin et une bracha sur le jour qui rentre. C'est la même loquette qui se retrouve dans n'importe quel kiddush en fait. On fait la bracha pour Ypres et Geffen, et puis on fait, ensuite on dit la bracha sur le yom. Asher Kideshanu, Bemizota, Veratsavanu, pour Shabbat, ou bien Asher Bacharon ou Mikolam. Pour le Yom Tov, la question est de savoir dans quel ordre on le fait. Nous, on a choisi l'alakha comme Bet Hillel, justement. Tandis que Bet Shamay Omrim, Mevarech al Hayom, Vachakach Mevarech al Hayin. Selon Bet Shamay, on commence à faire la bracha d'abord sur le jour. Et seulement après, on fait la bracha sur le vin. C'est-à-dire, on commence le verre. On commence pas par dire Yom HaShishi Vayichula Shamayim, mais on commence plutôt par dire. Peut-être qu'on veut dire Yom HaShishi. Ouais, on commence simplement par la deuxième bracha, en fait. Baruch HaTeh Hashem El Nora, Mashar Bachabanu Mikolam. Le Romain vient, Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Shabbat, Mekadesh Israël, Vazmanim. Et après, on fait la bracha, Baruch Ata Hashem, Vazmanim, Borepere Geffen. Pour quelle raison? Alors, selon Bet Shamay, on commence à faire la bracha sur le jour, puis après sur le vin, parce que selon l'ordre d'arrivée, le jour saint, il est déjà rentré, que ce soit Shabbat ou que ce soit Pessah, il est d'abord entré, donc on a déjà le devoir parce qu'il est entré, on a le devoir de dire la bracha du Kiddush. Après, le vin, on t'a apporté du vin pour la bracha, tu le fais en deuxième position, puisqu'il arrive en deuxième position. Selon le principe de Enmavir Nala Mitzvot, une mitzvah qui se présente devant toi, tu l'accomplis tout de suite, après tu accomplis une deuxième mitzvah, on a déjà évoqué le principe quelques fois. Ça, c'est la vie de Bet Shamay. Ou Bet Hillel Omrim, et selon Bet Hillel, ça fonctionne à l'envers, et c'est comme ça qu'on revient pour la halakha d'ailleurs. Mevarech ala yain, vachakach mevarech ala yom. Selon Bet Hillel, on fait d'abord la bracha sur le vin. Et seulement après, on fait la bracha sur le jour. Pour quelle raison? Il est vrai que le jour du Shabbat ou de Yom Tov, il est entré avant que tu te présentes devant ton verre de vin. Mais si tu n'avais pas de verre de vin, tu aurais fait la bracha sur le Kiddush. Tu n'aurais pas pu faire la bracha sur le Kiddush. Vin ou pain, peu importe. Mais en tout cas, si tu n'as pas au moins des deux, si tu n'as rien, tu n'as rien à manger, rien à boire pour ce soir. Pour l'aile de Shabbat, ça arrive, il s'est retrouvé à l'hôpital avec un enfant, je ne sais pas. Hop! Il n'a rien à faire. Est-ce qu'il peut faire la bracha du kiddush sans rien? Réponse, non. Puisque tu es obligé d'avoir un verre de vin, ou un verre de vin, ou même du pain. Tu peux faire le kiddush sur le pain, si tu veux. Mais en tout cas, tu es obligé d'avoir un des deux. Il s'avère que c'est le vin, ou c'est le pain, qui provoque la bracha du kiddush, qui permet la réalisation du bracha du kiddush. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien que le jour saint soit déjà rentré. Donc il prend la première position. C'est pas vrai, il ne prend pas de première position tant qu'il n'y a pas de vin. Du coup, on a le vin et on a le jour à faire. On a une autre règle qui nous dit au contraire que Tadir le Shem de Tadir. On boit plus de vin qu'on fait la bracha du kiddush en général, d'accord? On peut en boire toute la semaine, on peut en boire toutes les sauces. Et tandis que le kiddush, c'est une fois par semaine pour le kiddush du Shabbat, ou une fois par régalim pour les fêtes. Donc du coup, selon Bet Hillel, tu fais d'abord la bracha du vin, et puis ensuite tu fais la bracha sur le kiddush, sur le jour. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tuv Salah.